Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière vidéo spéciale déco Shein. Il y a du Shein et il y a du Amazon et du Sosten Green. Tout simplement, j'ai craqué mon slip, voilà, pour les derniers petits achats. Du moins, dernier, vous allez avoir bientôt une vidéo spéciale action déco et spéciale ménage qui arrivera prochainement. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter deux gros colis. Celui-ci et celui-ci. Donc, prenez un petit café. Je vais essayer de faire vite, mais clairement, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Si vous voulez le moindre lien, vous marquez un petit commentaire et je vous les donnerai avec grand plaisir. La dernière fois, vous savez, j'en avais acheté un tout simplement de petits spray pour mettre l'huile, etc. J'en avais acheté qu'un pour avoir tout simplement pour savoir la qualité et au final très bonne qualité. Donc du coup j'en ai racheté deux pour mettre l'huile d'olive et le vinaigre et pour l'autre l'huile classique. Donc du coup c'est en verre et clairement c'est 5€ et quelques, mais ça vaut grave le coup. J'ai acheté ceci. Qu'est-ce que c'est ceci? Ça sera tout simplement, je pense, pour mettre tous mes couvercles de casserole. En fait, vous le montez. Ici, vous avez des petits picots. Et en fait, tout simplement, vous pouvez mettre comme vous voulez. Voilà. Mais ça, vous verrez dans une vidéo spéciale cuisine. Là, il va y avoir de tout. Chambre, cuisine, salon, etc. Parce que je ne pouvais pas tout vous détailler. Sur la boutique tout simplement de Sosten Green, j'ai craqué sur des pots. Alors je vous les montre pour que vous les voyez. Ils sont magnifiques, je n'ai pas à dire. Ma fille s'est commandé les deux comme ceci. Alors ça va être pour mettre dans ma chambre. C'est des pots qui sont comme ceci à l'intérieur pour mettre les cotons-tiges, etc. Elle s'est commandé les deux, moi j'ai pris les deux et j'ai pris le plus gros aussi. Voilà, donc le combo des trois. Je pense que ça va être très joli. Et c'est cette marque-ci. Hop. C'est cette marque-ci, franchement expédiée très très rapidement, j'aime beaucoup. Pour aller dans la cuisine, ça je vais vous en présenter deux. Là il y en a un mais il y a le deuxième à l'intérieur. Vous savez que la dernière fois je pensais à l'avoir commandé trois et en fait j'en avais commandé qu'un. C'est tout simplement soit un porte-plat, donc vous posez vos plats dessus, ou alors vous pouvez vous en servir en tant que manique. C'est en silicone donc clairement vous n'allez pas vous brûler. Donc j'en ai repris deux pour pouvoir prendre mes plats des deux côtés. Pour aller toujours dans la cuisine, on repart dans les stickers. Donc là en fait c'est une recette, alors me demandez pas ce que c'est la recette, j'en sais rien, je regarderai un peu sur internet, mais en fait ça va vous donner ceci. Alors hop, ici ça va vous donner ceci une fois que vous collez tout simplement tout. Ça c'est un petit truc que j'avais envie dans la cuisine. Pour mon coin tout simplement, pour mon café, j'ai trouvé ces stickers-ci. J'espère que vous les verrez bien parce que moi je vois pas le retour caméra. Alors on verra si je les mets tous hein, mais parce que là ils sont quand même, il y a plein de choses. Donc on verra. Et pour mettre dans ma cuisine en décoration, j'ai pris ceci. Celui-ci il est magnifique. Par contre je le pensais clairement plus gros. Et ma copine je sais qu'elle a acheté le même et je me suis donné un coup. Alors là je suis un peu deg. C'était couleur aléatoire. Bah j'ai reçu un vert. Moi comment vous dire, c'est pareil, c'est pour attraper les plats, pour ouvrir quand vous ouvrez votre four par exemple, pour enlever la grille, etc. Je vais en racheter un deuxième, mais vert c'est pas top quoi. C'est pas tip top, mais c'est pas grave. Je testerai. Je sais pas si ça sera bien. Pour aller toujours dans mes fausses plantes. Oui je sais Charlène, tes fausses plantes, mais je crois que celle-là elle est très 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 bien réussie. Regardez comme elle est belle. Voilà. Et je regrette de ne pas en avoir acheté deux de celle-ci parce qu'elle est super jolie. Elle fait vraiment fausse plante, un peu épaisse. J'aime beaucoup. Je pense que celle-ci, je pense bien que j'en rachèterai une autre. Alors là, j'ai acheté de l'eau. Pas de l'eau à boire, hein. Ne vous inquiétez pas. En fait, c'était un lot de plusieurs. Je regarde parce qu'il y en avait quatre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est tout simplement, voilà, ceci. Hein. Voilà, c'est des boules japonaises, je crois qu'on appelle ça. Bon clairement je vais me servir des plus gros pour mettre dans les chambres des garçons et dans la chambre des filles. Mais comment vous dire que celui-ci, qu'est-ce que je vais en faire quoi. Je sais pas. Peut-être dans les WC, on verra. Parce que pas dans toute la maison, il y aura des beaux lustres etc. Parce que c'est un coup. Donc je m'étais dit je vais prendre ça. Je pensais que c'était tous cette grandeur là. Hein. Bah non, non, non. Gros flop quand je l'ai reçu, ça arrive.
pour aller sur mon bureau. Tout simplement, j'ai pris ceci. Vous allez me dire, ouais, c'est une boîte à mouchoirs. Oui, c'est une boîte à mouchoirs. On peut en faire en tant que mouchoir. Mais en fait, vous posez votre téléphone, votre tablette. Et à l'intérieur, vous allez voir sur les côtés, vous avez des trous, des encoches. C'est pour passer les câbles, tout simplement, de votre téléphone, ce que vous voulez. Donc ça, ça va aller sur mon bureau. Au moins, je vais passer mes câbles à l'intérieur. Et puis, ça sera bien plus pratique pour moi. Donc, c'est en plastique. Il est couleur beige. Voilà, classique. Bon, je pensais ça un petit peu plus petit quand même. Ici, en fait, moi, j'en ai marre des... comment dire? Des aimants que j'ai sur mon frigo. Voilà. Vous allez me dire, c'est un petit détail, mais j'en ai marre. Donc, du coup, j'ai pris 3 lots de 2. En fait, c'est des aimants noirs. Hop, comme ça. Hop. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça, classique, voilà, des lots de 2. Donc là je vous en présente un ici et vous avez les autres à l'intérieur. Là vous en avez un deuxième et le troisième arrivera. Ceci je l'ai acheté 2 fois. Non, ceci je l'ai acheté 3 fois. Pareil, c'était couleur aléatoire, donc j'en ai 2 blancs et 1 noir. C'est pas très grave, en fait c'est tout simplement pour mettre sur mes WC. En fait vous les collez avec le truc spécial et en fait vous le mettez sur la cuvette. Ça évite que les gens à chaque fois qui relèvent la cuvette, par exemple les garçons, touchent vraiment la cuvette sur quoi on s'assoit. Donc en fait ça c'est bien plus pratique pour relever la cuvette, voilà. Alors après est-ce qu'ils vont s'en servir, je ne sais pas. Mais vu que moi j'ai des garçons etc, voilà, je me dis que c'est quand même plus propre. Il faut le nettoyer, ça vient évidemment, attention, il faut le nettoyer, tout le monde va y toucher, du moins les garçons et moi quand je vais faire le ménage. Mais voilà, ça évite de vraiment toucher des fois la cuvette, vous savez, des fois ça coule, j'ai horreur de ça. Pour aller dans la cuisine, toujours, j'en ai acheté 3 lots, je vais vous montrer, vous glissez ça, hop, vous glissez ça tout simplement sur votre étagère et vous pendez en fait vos tasses. Alors moi j'en ai pris 3 parce qu'en fait je vais pas en mettre à chaque truc, je vais en mettre 1 sur 2 et j'ai quand même pas mal de tasses. Donc en fait voilà, vous avez l'étagère, imaginez vous avez l'étagère ici, vous pendez vos tasses. Vous pouvez également pendre des verres mais je crois que c'est conçu uniquement que pour les tasses. Donc ça c'est pareil, ça va être un gain de place même si là-bas j'ai beaucoup de place. Bon, j'arrive pas à le remettre pour tout simplement dans mes placards de cuisine. Mais ça, ça faisait longtemps que je le voulais. Pour aller dans ma chambre, alors je pense que je vais le mettre sur la porte de ma chambre. Monsieur et madame, voilà, c'est un sticker. Hop, il est très grand par contre, vous voyez c'est très grand. Et je pense que clairement ça, ça va aller sur la porte parce que ça va, voilà, c'est notre espace à nous. C'est pour ça que sur l'espace des filles, vous avez vu les stickers. Au cas où, je vous remets la petite vidéo en i. J'ai fait pour mettre sur la porte des filles, ben nous on aura notre espace à nous, ça sera marqué dessus. Tout simplement sur Amazon, comme je vous ai dit, j'ai acheté des choses. Donc il y a tout simplement un draus, donc 180 par 200 pour notre lit, couleur beige. Et j'ai pris le même pour Lola. Alors je vais vous l'ouvrir comme ça, juste pour que vous voyez, la texture, ça donne ceci. Voilà, un simple draus. Et Lola, je lui ai pris le même. Alors ça je crois que c'était 18 euros et quelques. Et moi je me suis pris l'été d'oreiller en 65 par 65 couleur beige qui va avec. Donc ça c'était sur Amazon. Vous le savez, en partenariat j'ai reçu le grand tapis. Voilà, et bien là je l'ai acheté en plus petit. Je crois que j'ai pris 50 par 80 ou par 60, je sais plus. Tout simplement pour vraiment quand on va rentrer dans la maison, vous allez avoir le grand tapis en plein milieu de la pièce. Et ça, ça sera pour s'essuyer les pieds parce que c'est tout simplement conçu à la base pour l'extérieur. Je vais tout simplement juste mettre quelque chose dessous pour que ça ne bouge pas en fait au sol. Mais voilà, je suis contente parce que du coup, je l'ai en grand et en petit. Et ma fille qui disait que c'était pas beau, et bien finalement, elle aime beaucoup. J'ai tout simplement réussi à lui faire changer d'avis. Et après j'ai acheté, donc ça c'est des petites choses pour mettre mes sous-vêtements, en fait c'est pour mettre dans les tiroirs. Alors vous montrer comme ça c'est un peu compliqué, donc vous avez plusieurs modèles. Moi j'ai pris un S, 2 M et un L, donc ça c'est pour mettre les chaussettes. Voilà, c'est un compartiment, hein. je suis désolée, vous voyez pas bien. Un compartiment qui, voilà, une fois déplié ça donne ceci. Donc ça c'est pour mettre les chaussettes et comme je vous ai dit, j'en ai pris 2 qu'ils étaient en M, donc ça c'est un petit peu plus grand que l'autre, donc ça, ça va être pour mettre tout ce qui est sous-vêtements pour les bas, donc j'en ai pris 2, et le grand c'est tout simplement pour mettre les soutiens-gorge. Voilà, bon, il faut bien le déplier parce que là il avait la forme tout simplement dans le colis. C'est pas très cher, ça faisait longtemps que je cherchais des rangements pour les sous-vêtements, donc c'est chose faite. Et on arrive bientôt à la fin parce qu'après le reste du colis c'est tout simplement ce que j'avais reçu de Shane. J'ai tout simplement acheté des affiches comme ça, pareil, toujours tissées. Donc vous avez le monsieur et bien évidemment vous avez
le madame qu'il y a ici. Donc ça, ça va être pour mettre en dessus de notre lit dans des cadres. Donc il faut que j'achète les cadres. Et tout simplement pour terminer, donc ça c'est le lot de 3 cadres. Donc ceux-là ils sont grands, il va falloir que j'en trouve des grands. Donc tout simplement ici vous avez des petits pieds. Voilà, alors si vous entendez du bruit c'est normal. Vous avez le family comme ceci. Et du coup pour terminer, regardez comme c'est magnifique, c'est tout simplement un petit bébé. Donc ça je sais pas encore, est-ce que ça va aller dans le couloir, est-ce que ça va aller dans mon salon, telle est la question, je ne sais pas. Donc ça c'était pour le premier colis, attention au deuxième, on attaque tout de suite. Alors ça je vais vous le montrer vite fait, c'est tout simplement une protection de canapé. Voilà, je vous le montre comme ça. Donc ça je l'ai en deux fois pour mettre un ici et un sur les coussins, parce que c'est un canapé que j'ai racheté à mon frère. Et vous savez que, alors déjà il se salit très vite, et en plus de ça il n'est pas revenu propre comme quand il avait acheté. Donc du coup je me suis dit, Charlène, il faut que tu trouves une alternative, donc de prendre des housses. Moi personnellement j'ai pris des housses en 3 places. Normalement c'est que 2 places mais j'ai pris 3, et heureusement parce que 2 places seraient été beaucoup trop petits. Et normalement vous avez aussi les T pour aller sur les coussins, mais moi vous voyez que c'est très grand. Donc du coup j'ai pris en fait la même chose de l'assise et la même chose de l'assise pour les coussins. C'est beaucoup mieux en 3 places, et clairement ça je vais en racheter. Je crois que c'était 12 euros et quelques pour les 3 places. Ça je vais en racheter une paire pour en avoir quand je vais les laver, parce que je lave mon plaid qui a dessus. Donc là ça sera pareil, mais pour tourner vous avez du beige et vous avez d'autres couleurs. Moi je reste en gris parce que mon canapé est gris. Alors après c'est vrai que moi j'ai préféré avoir des housses comme ça, ça se prend de partout, parce que je vous avoue qu'un plaid, vous asseyez comme là, ça s'enlève à chaque fois, et moi je suis un petit peu toquée, j'ai vraiment du mal quand voilà, déjà ça ressemble à ça. Bon là on déménage bientôt donc je laisse comme ça, mais j'aime pas. Voilà, là ça englobe tout et c'est très joli. Voilà, après prenez vraiment les dimensions de votre canapé. Moi je les avais pas, mais je sais que c'est des grandes places, donc c'est pour ça que j'ai pris 3 places. Et comme je vous ai dit, il y a plein d'autres couleurs, c'est vous qui voyez. Vous le savez qu'en partenariat j'ai eu une couette en pilou pilou, sauf que je me suis dit, Charlène, attends, cet été comment tu vas faire? Moi je ne sais pas dormir sans drap, c'est impossible pour moi, il me faut des draps. Donc du coup j'ai commandé une parure de drap, tout simplement comme ceci, donc exactement comme les comme le drap housse que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors je crois qu'il n'y avait que la housse de couette, il n'y avait pas l'été d'oreiller, c'est pour ça que je les ai commandés. Moi par contre j'ai pris en dimension 220 par 230 parce que j'ai un très grand lit. Voilà, et j'ai pris beige parce que ça sera vraiment les couleurs de la chambre avec du gris. Pour aller dans ma salle de bain, j'ai tout simplement acheté ceci. Alors Chloé se l'est acheté aussi pour sa chambre, mais elle a pris en couleur blanc. C'est tout simplement quelque chose que vous mettez contre votre mur. Voilà, vous avez ceci, mais vous pouvez également percer. En fait, je sais pas comment ça se met par contre, faudrait que je demande à Chloé qu'elle m'explique. Bon bref, quoi qu'il arrive, oui c'est ça, et en fait vous le collez contre le mur. Et en fait vous venez mettre ici vos brosses, etc., ou vos brosses à dents, etc. Et là vous venez mettre soit votre fer à lisser, ou alors mettre moi le sèche-cheveux. Moi je vais clairement mettre le sèche-cheveux parce qu'à la base c'est conçu pour ça. Moi je sais que Chloé ne va pas mettre ça, elle va mettre son lisseur. Donc moi je l'ai pris en noir et elle l'a pris en blanc. Après, tout simplement pour mettre sur ma coiffeuse le petit meuble qu'il va avoir autour de moi, j'ai pris ceci. Alors en plus ça tourne, regardez les pieds un peu en or, c'est trop joli. Voilà, c'est un pot où moi je vais mettre un peu de maquillage, etc. Et voilà, hop, ça tourne. Et ça c'est trop joli. Et ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas casser parce que ça arrive dans une boîte. Ici, c'est un lot de 15 cadres, si je ne dis pas de bêtises, donc en format classique. Donc 10 par 15, tout simplement. En fait, moi, j'ai en plein milieu de ma maison, de mon salon, il y a tout simplement un poteau. Et ce poteau, je vais l'habiller. Donc, en fait, je me suis dit, Charlène, tu vas imprimer des photos. Je vais les glisser à l'intérieur. Et après, tout simplement, vous avez les petits trucs comme ça pour les fixer. Et au moins, je vais pouvoir mettre des photos. Et vu que j'ai beaucoup de noir et de bois dans mon salon avec le gris, eh ben, ça ira parfaitement. Alors j'en ai acheté que 15, je verrai peut-être par la suite si je vois que mon poteau est un petit peu trop vide, c'est fort possible que j'en rachète après. Mais ça c'est pas très cher, je crois que c'était une dizaine d'euros, voilà. Après c'est très fin, hein, vous le voyez, hein, c'est très très fin, mais ça donnera un tout petit peu de relief. Ici tout simplement pour ma coiffeuse, c'est pareil, hop, parce qu'ici moi c'était rangé dans des bacs et tout, c'était pas joli. J'ai acheté ce rangement-ci, donc vous voyez ça fait du plus haut au plus petit. En fait pour mettre mes palettes et les peu de blush, de teint, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc voilà, j'en ai pris qu'un, ça me suffit largement et c'est très joli. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, hop, c'est très joli. Et pareil, hein, c'est arrivé, j'ai une enveloppe comme ça en bulle, donc impeccable.
ceci. Parce qu'en fait sur mon lit je change. Avant j'avais des coussins carrés. Là je vais avoir que deux coussins carrés. Le reste ça va être du rectangle. Donc là j'en ai pris deux tout simplement. Pareil, c'est dans le même ton. Hein. Donc avec les petits pompons sur le côté. Donc c'est des thés d'oreiller. Donc hop, vous voyez le relief. Donc ceci, j'en ai deux. Celui-ci, j'en ai pris un. Je vais vous montrer tout simplement. Il est trop joli. Voilà, trop canon. Donc ça c'est pareil, c'est pour mettre sur mon lit. Voilà, il est comme ça. Et regardez, en fait c'est comme du toile de jute. Voilà, c'est très joli. Donc ça, j'en ai pris qu'un. Et d'un côté, il y aura celui-ci. Et de l'autre côté, il y aura celui-ci. Le love, voilà pareil, il est en matière comme je vous ai montré. Ça j'aimais beaucoup, alors ça par contre clairement ce n'est pas donné. Les thés d'oreiller comme ça, c'est pas donné. Je crois que c'était 7 ou 8 euros hein. Alors moi j'en ai pris qu'un de chaque pour pas que les deux côtés soient identiques. Par contre les autres, oui je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai deux. Mais là voilà, je voulais quelque chose parce que c'est quand même assez chargé au bout d'un moment. Je me suis dit que là clairement un de chaque ça ferait très joli. On arrive bientôt à la fin, j'ai plus que deux produits à vous présenter. Alors ceci c'est pour mettre tout simplement dans mon frigo. Alors je le voulais transparent mais clairement les transparents sont super chers. Il existe aussi en bleu mais le bleu me convenait pas. En fait c'est tout simplement un plateau qui tourne, vous voyez hein. Hop, il tourne sur lui-même. Et là ça va être pour tout ce qui est je pense, comment dire, tout ce qui est tout simplement le ketchup, moutarde, etc. Et je pense que j'en rachèterai un autre pour tout ce qui est d'autres pots. Voilà, je pense, déjà je vais en mettre un et je verrai la place qu'il me reste. Et c'est pareil hein, c'est arrivé pas du tout cassé parce que c'est arrivé dans une boîte. Et le dernier produit, alors là clairement je suis déçue par la grandeur parce que ça coûte 9 balles quasiment. Je vais vous en montrer un. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Voilà, c'est tout petit. Alors c'est un panier très joli. Et c'est là que je vous dis que dommage que clairement j'en ai qu'un de trucs comme ça. Parce que regardez, alors bien sûr il faut le fixer. Hein. Je vais vous montrer en l'accrochant à l'intérieur. Hop, je vais le faire passer de l'autre côté pour l'accrocher. Parce que de toute façon ça va être contre un mur. Voilà, imaginez ce que ça pourrait donner pendu contre un mur. Voilà, ça donne ceci. Moi j'aime bien le mettre un petit peu de côté. Voilà, mais clairement c'est tout petit. Alors ils me disent pas le format hein. Non, ils disent pas. Hop, non, je regarde sur l'emballage, ils disent pas. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus gros parce que à la base je m'étais dit un, je mettrais une plante et dans l'autre je mets tout ce qui est capsule de café, mais clairement je ne peux rien mettre. Mais après c'est très joli. Ça par contre vous le retrouvez dans l'onglet donc sur Shein, dans l'onglet jardin. Voilà, mais comme je vous ai dit, voilà, c'est pas très gros hein. C'est pas très gros. Après le rendu franchement c'est très joli hein, mais je pourrais pas m'en servir comme je le voulais. Donc ça y est, c'est terminé. C'était du déco de toute la maison et de la cuisine et de la chambre. J'espère qu'en tout cas tout ça vous aura plu. Je pense que vous allez réellement voir maintenant l'univers qu'il va avoir dans cette maison à J-15 avant d'avoir les clés et d'attaquer le déménagement. Donc j'ai super hâte. J'ai super hâte de vous montrer pièce par pièce comment je l'aurai décoré. En tout cas, si vous voulez des liens, vous n'hésitez pas. Je vous donne tout, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez juste un petit message. On se retrouve prochainement pour une vidéo spéciale action du reste qu'il me faut acheter. Et peut-être une vidéo action également pour le ménage. Mais ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la faire. Mais promis, la prochaine vidéo, ça sera le haul action spécial maison. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.